Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture et j'ai trouvé le cousin Emmanuel Macron, enfin cousin cinquième génération. Il s'appelle Jérôme Cailleret. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et en plus, vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur, donc tout près d'Amiens. Alors pourquoi vous définissez comme un saturnien ? En fait, depuis l'adolescence, je suis marqué par Baudelaire, Rimbaud et Verlaine. J'ai étudié au bac français les poèmes saturniens et ça m'est resté. De fait, je suis un paysan saturnien, je traîne une sorte de fatalité comme ça. Et c'est vrai qui me va bien. Et c'est vrai que vous êtes le cousin d'Emmanuel Macron. Oui, alors je ne vous dis pas la surprise. J'habite à 40 km d'Amiens. Je cultive dans le berceau natal de la famille Macron les terres du grand-père, qui m'a transmise depuis qu'il est décédé. Et en 40 ans, je n'ai jamais croisé mon cousin, mon lointain cousin, que j'appelle aussi le rat de ville. J'ai écrit cette histoire à Éric Orsenna à l'Académie française parce que c'est assez emblématique du fossé entre la ville et la campagne. C'est une sorte de fable assez moderne quand même. Et donc j'écris une lettre ouverte sitôt son élection à mon lointain cousin pour qu'il sorte l'agriculture de l'ornière. Et je lui ai proposé de faire le pacte citoyen de l'alimentation, qui est une sorte de contrat moral et social nouveau, une loi ambitieuse que je veux porter à l'Assemblée nationale. Et j'ai noué aujourd'hui de nombreux contacts avec les députés qui sont prêts à répondre à mon initiative de lancer un printemps arable à l'Assemblée nationale pour faire pousser des fleurs nouvelles. Un printemps arable, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je veux lancer un ultimatum, l'ultimatum dans les tout prochains jours de Saturne à Jupiter. Et je suis ici aujourd'hui pour faire l'union sacrée des paysans de France. De la Confédération paysanne à la Coordination rurale, tout le monde est prêt à me suivre. Christiane Lambert, que j'ai rencontré brièvement tout à l'heure, m'a pas dit oui, n'a pas dit non, mais j'espère que ça ira. J'ai en contact aussi Catherine Chapelain, Jean-Philippe Virard, Alania, parce que demain on va avoir la publication du bilan des négociations commerciales, ça va être catastrophique, et tout le monde s'est fait laminer une fois de plus par les grandes distributions. Et je suis en contact aussi avec les ONG de la plateforme citoyenne, qui sont un peu frustrés aussi, qui voient bien que cette transition agricole, elle n'est pas aussi rapide. Et moi-même, comme bien sûr je ne veux pas être le plus mauvais élève de la classe, j'ai décidé de passer en bio cette année. Qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Vous avez peur que la loi sur l'alimentation ne soit pas assez coercitive ? Voilà, je viens d'apprendre que le projet de loi apparemment va être décalé parce qu'ils s'aperçoivent que le texte risque de très vite d'être vidé de sa substance. Malgré les quelques amendements qui vont arriver, il y a déjà des associations de consommateurs qui, devant la Cour européenne de justice, veulent empêcher la hausse du SRP parce qu'ils craignent une hausse des prix. On sait très bien que cette marge qui va être offerte à la grande distribution, ce n'est pas dit qu'elle nous redescende. Et moi, j'ai peur que dans un an, on se réveille avec une loi, une coquille vide, où en disant, en se gargarisant, super, on peut imposer nos prix maintenant, sauf qu'en face, la grande distribution n'est absolument pas obligée de les accepter. Et j'ai peur qu'on perde un an. Donc ce que je veux aujourd'hui, c'est, je vais le faire dans les tout prochains jours, et il y aura beaucoup de monde qui va me suivre, y compris, j'espère, les maires de France et les présidents de régions de France, dans un ultimatum de Saturne à Jupiter, pour réviser en profondeur la LME, l'abroger dès que le pacte citoyen d'alimentation sera adopté par nos députés. Et j'ai des députés de tous bords, de François Ruffin, Richard Ramos, Dominique Potier, que j'ai croisé tout à l'heure, Monique Limon, qui va écrire la loi, qui porte un nom magnifique. Je ne pouvais rêver de terreau plus fertile pour faire pousser des fleurs nouvelles à l'Assemblée. Ils ont dit oui officiellement oui. Ou ils ont dit oui pour... Alors, on sait bien la crainte qu'on a de tous ces députés de La République En Marche qui soient aux ordres du président jupitérien. Mais ils ont des remontées de terrain de tous les paysans, de toutes leurs circonscriptions. Et ils savent la situation dramatique que l'on vit. Et ils savent qu'on ne peut plus se permettre de perdre encore un an ou deux. Et aujourd'hui, on a un coup historique à jouer. Et moi, ce que je veux, c'est faire comprendre à Emmanuel Macron qu'il est temps aujourd'hui, après une décennie de destruction de valeurs et d'environnement, de réviser en profondeur, voire de l'abroger, la LME. C'est là, bien sûr, vous le savez, Leclerc, Michel, Édouard. Voilà. Juste pour finir, on peut vous suivre, continuez à vous suivre sur Twitter. Ah oui, alors mes aventures ne sont pas terminées. Je suis en orbite, je me suis arraché des anneaux de Saturne et j'arrive bientôt dans l'atmosphère médiatique. Et je vais à la rencontre de Jupiter. Alors, tous aux abris parce que le choc des titans pourrait être cataclysmique. Vous ne m'avez pas dit le compte Twitter, c'est l'essentiel. Paysan saturnien tout attaché. Merci beaucoup Jérôme, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Jean-Paul. Merci.